for tonight. Père, merci pour ce soir. Thank you for your power that is here. Merci pour ta puissance qui est présente ici. Thank you for many salvations. Merci pour beaucoup de salut. Many healing. Beaucoup qui sont guéris ce soir. Many deliverances. Beaucoup qui sont délivrés. Thank you that no one that is here. Et merci que pas personne tonight, et qui regarde will ever be the same again. Ne sera jamais la même. Jesus, we welcome you. Jésus, nous t'accueillons. Jesus, we welcome you. Jésus, nous t'accueillons. Jesus, we welcome you. Jésus, nous t'accueillons. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. We bind evil spirits. Nous lions les esprits. We bind devils. Nous lions les diables. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Now wherever you are, et n'importe où tu es, put your hand on your I am the Lord that healed you tonight. He is here tonight. Il est ici ce soir. He is the Lord that healed you. And he is healing everything about you. Il guérit tout ce qui te concerne. Tonight, ce soir. Receive your healing. Reçois ta guérison. Receive the power of God. Reçois la puissance de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive. Thank you for many miracles that are taking place right now. Père, merci pour beaucoup de miracles qui ont eu lieu ce soir. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Whatever represents a curse, tout ce qui représente une malédiction, is broken right now. Brisé ce soir. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you, Lord, for power. Que la puissance appartient à Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We pray. Nous avons prié. Amen. Amen. You may be seated if you have a seat. Tonight I'm going to be very brief. Ce soir, je vous serai bref. I want you to listen very carefully. Et je veux que vous écoutiez très attentivement. Yeah, just stay where you are. Yes, it's fine. Oui, c'est bon. I want to thank our pastors and fathers again. Je veux remercier les pasteurs et les pères encore for your great support, pour votre grand soutien, your great encouragement, votre encouragement for this campaign, pour cette campagne. May God bless you, Dieu vous bénisse, and the Church of God in the whole of Gabon. Et l'Église de Dieu dans tout le territoire de Gabon. Amen. Amen. Tonight, ce soir, I am just preaching on 4 points. Je vais prêcher sur 4 points. The 4 laws of miracles. Les 4 lois de miracle. The 4 laws of miracles. Les 4 lois du miracle. Now, the Bible says in Isaiah 55. La Bible dit en Isaïe 55. How many want a miracle from God? Qui veut un miracle de Dieu ce soir? Listen, listen very carefully. I only have 4 points. Écoutez seulement parce que j'ai 4 points. And then we are going to pray. Isaiah 55 says, "My thoughts are not your thoughts." Isaiah 55 dit, "Mes pensées ne sont pas tes pensées." And my ways are not your ways. Et mes voies ne sont pas tes voies. So many times when it comes to miracles, donc la plupart des temps quand il s'agit de miracles, His ways are not our ways. Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Bring them here, please. Amen, les gens. Guys. Amen, les gens qui tombent devant ici. Anybody falling down, rolling, screaming, bring to me in the front here. Si quelqu'un tombe, si quelqu'un roule par terre, amène la personne devant ici. Power belongs to God. La puissance appartient à Dieu. Yes. Now, the first law. Everybody, put your hand on your chest right now. Tout le monde, mets la main sur ta poitrine. Every snake, tout serpent. Every snake, tout serpent,
every cobra, et toute cobra, every serpent, et tout serpent, that is in anybody, qui est quelqu'un ici, right now, maintenant même, I command you, je t'ordonne, come out, sort, come out, sort, in the name of Jesus, au nom de Jésus. It's happening right now. Ça se passe maintenant. Anyone screaming, rolling, falling, bring them to me. Amen. Now, four laws of miracles. Number one, the law of divine selection. La loi de la sélection, la sélection divine. In Luke chapter 4, and Luke chapter 4, Jesus said, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up for 6 months and 3 years, when there was great famine, but unto none of them was Elijah sent. Nulle parmi elles était envoyé pour Élie, except to Sarepta, sauf à la ville de Sarepta, unto a widow. Il y avait une veuve that was of Sidon, et elle était de la ville de Sidon, and many lepers. Il y avait beaucoup de lèpres. Were in Israel in the time of Elijah the prophet. None of them was cleansed except Naaman the Syrian. Now, there were many widows, but it was only a particular widow from the city of Sidon. Elle était de la ville de Sidon. Sarepta. De Sarepta. She is the only one. Elle seule. Who had the financial breakthrough. Qui a eu une percée financière. Why? Pourquoi? When you are dealing with God's power, quand tu gères avec la puissance de Dieu, God has his eyes and he decides exactly who he is going to deliver. Dieu regarde avec ses yeux et c'est lui seul qui décide qui il va délivrer. Yes. There were many lepers. Il y avait beaucoup de lèpres. But only Naaman. Mais seulement Naaman was healed. Il était guéri. The law of divine selection. La loi de sélection divine. Divine. Because there are many reasons for things. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pour des choses. Which God alone knows. Et c'est Dieu seulement qui connaît ces raisons. We don't know everything. Nous ne connaissons pas toutes choses. Yes. Oui. So tonight, donc ce soir, I see that you are Naaman the Syrian whom God has chosen to heal. Je vois que c'est toi qui es comme Naaman le Syrien et c'est toi que Dieu a sélectionné de guérir. May you be the widow that God has chosen to give financial breakthrough tonight. Que tu sois comme la veuve que Dieu a choisi pour recevoir la percée financière. Oh yes. Oh oui. There are many things we don't know. Il y a beaucoup de choses dont on ne connaît pas. Yes. Oui. When you pray for somebody, nobody knows if the person is a murderer. Personne ne sait si la personne est meurtrière. Or a killer. Or whether there is bloodshed. Or whether it is judgment from God. It is God who sees many things. And he decides. I'm going to minister to this particular widow. Tonight, you are the one who God has chosen. How many want to be the one who has been selected tonight? Qui veut être la personne que Dieu va sélectionner? Out of many widows, il y avait beaucoup de many lepers, beaucoup de lépreux, many problems, beaucoup de problèmes. God is deciding on you today. Dieu a décidé de te choisir ce soir. These are the words of Jesus. Et voici les paroles de Jésus.
Law number two. La loi numéro deux. I have only four. So, the law of humility. La loi de l'humilité. Yes. Oui. The Bible says. La Bible dit. God gives grace to the humble. Dieu donne grâce aux humbles. And God resists the proud. Et il résiste aux orgueilleux. So tonight, ce soir, every humble person is going to receive grace from God. Toute personne qui est humble recevra la grâce de Dieu. Oh yes. Oh oui. Receive it in the name of Jesus. Dieu, nom de Jésus. Many people are being delivered of evil spirits. Dieu a délivré beaucoup de gens des esprits impurs. As I'm speaking now, alors que je parle maintenant, in the realm of the spirit, dans le domaine spirituel, I saw a black cobra. J'ai vu un cobra noir coming out of somebody. En train de sortir de quelqu'un. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The law of humility. La loi de l'humilité. The Bible says there was a certain woman. La Bible dit qu'il y avait une certaine femme. Who had an issue of blood. Et elle avait un problème de l'hémorragie. And she had suffered many things. Et elle avait souffert beaucoup de choses. From many physicians. De beaucoup de médecins. And had spent all her money. Et elle avait dépensé tout son argent. And this woman, et cette femme-là, heard about Jesus. Elle a entendu parler de Jésus. And she was not improving. Et rien ne marchait pour elle. But rather grew worse. Mais les choses devenaient pires. This woman, et cette femme-là, did not hear about Jesus until she had suffered for 12 years. Elle n'avait pas entendu parler de Jésus jusqu'à ce qu'elle avait souffert pour 12 ans. Until she has tried using all her money. Après avoir essayé de l'utiliser tout son argent. Yes. Oui. Until she was not getting better. Jusqu'à ce que rien ne marchait pour elle. And until she became humbled by her problem. Et à ce point-là, elle est devenue humble à cause de ses problèmes. There is nothing like sickness to humble you. Il n'y a rien comme des maladies qui te poussent à être humble. Yes. Oui. You may shout, hey, 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 but if you get sick, you become quiet. Tu peux crier, hey, hey, mais quand tu es malade, tu deviens calme. Yes. Oui. I remember a man. Et je me souviens d'un homme. I preached to him. J'ai prêché à cet homme-là. And he was angry with me. Et il s'est fâché contre moi. He shouted at me. Il a crié sur moi. He said to me, il m'a dit, Evangeliste, I am warning you. Je t'avertis. Who do you think you are? Tu te prends pour qui? Hey, hey. I was afraid. J'avais peur. Because he was shouting in public. Parce qu'il criait en public sur moi. I was not expecting that. Je ne m'attendais à ça. I just told him, you need Jesus. Je lui ai dit seulement, tu as besoin de Jésus. He became so angry. Il est devenu fâché. Yes. Oui. In January the next year, en janvier l'année suivante, I saw this same man. J'ai vu ce monsieur. I was going to tell him because I saw in the realm of the spirit that he needs Jesus. Et en esprit, j'avais vu que ce monsieur avait besoin de Jésus. Donc je voulais parler à ce monsieur encore. But I remembered how he warned me. Mais je me suis souvenu comment il m'a averti. So do you know what I told him? Vous savez ce que j'ai dit maintenant? Do you want to know what I told him? Vous voulez savoir ce que j'ai dit? I don't think they want. I'm going to Yaoundé. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Je pars à Yaoundé. I told him, Happy New Year. Je lui ai dit bonne heureuse année. Yes. Oui. Instead of telling him you need Jesus, I said Happy New Year. Au lieu de lui dire tu as besoin de Jésus, j'ai dit bonne heureuse année. And when he saw me, et quand il m'a vu, he walked by me like this. Il a passé par moi comme ça. He looked down on me. Il m'a regardé avec des yeux. He was a tall guy. Parce qu'il était lancé. He looked at me. Il m'a regardé avec le mépris.
pastor. Toi, pastor. Who do you think you are? Tu te prends pour qui? He was with two other people. Il marchait avec deux autres personnes. He just walked by me. Il a passé par moi. Walked by me. Il a passé par moi. Yeah. Oui. Foolish pastor. Un pasteur insensé. But I tell you. Mais je te dis, hein. 4 months later. Après 4 ans. I got a phone call. On m'a appelé par téléphone. Who is it? C'est qui? It's the assistant of this man. L'assistant de ce monsieur. He said, my boss. Il a dit, mon patron. Is in the hospital. Il est à l'hôpital. One of the top hospitals in Ghana. Il est dans les plus grands hôpitaux au Ghana. He said, I should call you. Et mon patron dit de t'appeler. To come and save him, he's in the hospital. Il est venu le sauver, il est à l'hôpital. Yes. Oui. I said, oh, it's not true. J'ai dit, non, ce n'est pas vrai. I discussed with my assistant. J'ai demandé à mes assistants aussi. Do you think it is a real phone call or it is a trick? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit en train de me tricher ou bien c'est un vrai appel? Then we had another phone call. Et puis nous avons eu encore notre appel. Please come and pray for me. S'il te plaît, venez prier pour moi. I am dying. Je suis en train de mourir. In the hospital. À l'hôpital. Before I could get decide even to decide. Avant même de décider d'aller, we had another phone call. Nous appelait encore. The man is dead. Le monsieur est mort. Yeah. Oui. Yeah. You see, when he was very proud, et quand il était orgueilleux, he could shout at the pastor. Il pouvait crier sur le pasteur. And threaten me. He threatened me. Oui, il m'a même dit que je vais te faire quelque chose de mal. Hein? But when he was sick, mais quand il était malade, and he was down, et il était en bas, and he was humble, et quand il était humble, he started to seek for miracles. Il a commencé à chercher miracles. Oui. The law of humility. La loi d'humilité is the second law. C'est la deuxième loi of miracles. Du miracle. Maybe, peut-être, God is waiting for you to be humble, d'être humble before he can give you his grace. Avant de te donner sa grâce. Tonight, ce soir, every type of pride, toute sorte d'orgueil around your life, sur ta vie, is breaking in the name of Jesus. Sera brisé au nom de Jésus. The woman, la femme, with the issue of blood, qui avait l'hémorragie. See, you know, do you know that blood, it smells? Vous voyez, le sang a une mauvaise odeur, si vous savez. 12 years, pour 12 ans, without sanitary pads, elle n'avait pas ce qu'on appelle le couche. She was using a cloth. Elle, did they have cloth in those days? Yes. Elle utilisait une pièce de paille. She was smelling. Et elle avait cette mauvaise odeur. Ah, when she comes, quand elle sort comme ça, people will signal. Les gens commencent à se signaler. It's smelly. Elle a une mauvaise odeur. The smelly woman has come. La femme de mauvaise odeur. Nobody wanted to be her friend. Personne ne voulait être son ami. And all her money was also finished. Son argent aussi était fini. She was down. Elle était en bas. And she heard of Jesus. Et elle a entendu parler de Jésus. And she said, et elle a dit, if I can touch, si seulement je peux toucher the hem of his garment, de ce vêtement, if I can touch, si je peux toucher, I will receive power. Je recevrai de puissance. She did not even want Jesus to pray for her. Elle ne voulait même pas que Jésus prie pour elle. She was so down. Elle était si humble. Yeah, no, don't pray for me. Ne priez pas pour moi. Don't ask me my name. Ne me demande même pas mon nom. Don't say anything. Ne dis rien. I just want to touch the back. Je veux seulement toucher ton intérieur de ce vêtement. And I will be healed. Et je serai guéri. And that day, et ce jour-là, because of her humility, à cause de son humilité, when she touched the hem of his garment, elle a touché Jésus-Christ par ses vêtements. She was healed. Elle était guérie. Tonight, ce soir, tonight, ce soir, you have suffered enough. Tu as souffert pour longtemps. You have suffered enough. J'ai dit, tu as souffert pour longtemps. You have suffered enough. Tu as souffert pour longtemps. You are going to receive your healing. Tu vas recevoir ta guérison. Law number three. La loi numéro 3. I have only 4 laws. Je n'ai que 4 lois. The laws of miracles. Et la loi, les lois des miracles. It is the law of repeated ministration. C'est la loi de l'administration répétée. Yes. Oui. You see, in the, when it comes to the anointing, quand il s'agit de l'onction, many things have to be repeated. On doit répéter beaucoup de choses.
Naaman the Syrian, Naaman le Syrien, when Elisha gave him the prophetic word, quand Élisée lui avait donné la parole prophétique, he told him, il lui dit, go and bath in the river Jordan 7 times. Il faut aller entrer dans le Jourdain pour 7 fois. Not once. Pas une seule fois. Not twice. Pas 2 fois. Why should I bath 7 times? Pourquoi est-ce que je dois me tremper dans le rivière 4, 7 fois? How many of you bath 7 times? Combien d'entre vous se lave 7 fois par jour? Many of us even we don't bath. Certains parmi vous-même, vous ne vous lavez même pas. A lot of people don't like bathing. Beaucoup de personnes n'aiment pas se laver. Some ladies who look so beautiful, they don't like bathing. Beaucoup de femmes qui ont l'air belles n'aiment pas se laver. Hey. But why? Mais pourquoi? 7 times. Pourquoi 7 fois? 7 times. 7 fois. Bathing. Il faut aller se laver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And the miracle is coming. Le miracle est venu. When there was a famine, quand il y avait une famine, and Elijah prayed, et Élie a prié for rain, pour la pluie, he prayed 7 times. Il a prié 7 fois. Repeated. Il a répété la même chose. Repeated. Il a répété. That is why we pray for people. C'est pourquoi nous prions pour les gens. First time. Première fois. Second time. Deuxième fois. Third time. Troisième fois. Fourth time. Quatrième fois. Fifth time. Sixième fois. Sixth time. Sixième fois. Seventh time. Septième fois. Hallelujah. Hallelujah. Elijah. Élie. When he was raising the dead. Quand il ressuscitait les morts. He prayed for the boy 3 times. Il a prié pour le jeune mort 3 fois. 3 times. 3 fois. The law of repeating. La loi de répéter. Administration. Répéter une administration de. Don't be tired of prayer. Il ne faut pas être fatigué de la prière. Again. Aujourd'hui. And again. Et encore. And again. Et encore. Satan's power is being broken. Le pouvoir de Satan est en train d'être brisé. When Joshua, quand Josué, was sent to defeat Jericho, il était envoyé d'aller combattre contre Jéricho. He didn't. The Lord told him go around 7 times. L'Éternel lui dit, il faut entourer les murs de Jéricho 7 fois. If he had gone once, s'il a fait seulement une seule fois, he would never have had the miracle. Il n'allait jamais voir le miracle. Jesus, he met a blind man. Il a rencontré un homme aveugle. And he prayed for the man. Il a prié pour le monsieur. Once. Une fois. And the Bible says, et la Bible dit, that when they brought the blind man to him, et quand ils ont amené cet aveugle, he spit on his eyes. Il a craché sur ses yeux. And he asked him, do you see? Et il lui a demandé, est-ce que tu vois? He said, I see men like trees. Il a dit, je vois les hommes comme les arbres. And after that, he prayed for him again. Et après, il a imposé sa main sur lui, a prié encore. Yes. Oui. And the second time. Et pour la deuxième fois. Repeated. Il a répété. Don't be tired of repeated prayers. Il ne faut pas être fatigué de prières répétées. Tonight. Ce soir. Whatever we prayed about yesterday. Tout ce que nous avons prié pour demander hier. And the day before. Et même l'avant-hier. And the day before. Et même le jour avant-hier. God is going to do it for you. Dieu le fera aujourd'hui pour toi. That is why this campaign is for 5 days. C'est pourquoi cette campagne est là pour 5 jours. Yes. Oui. There is a reason. Il y a une raison. Yes. Oui. Repeated. Répété. 7 times. 7 fois. Bath 7 times. Il faut se laver 7 fois. Pray 7 times. Il faut prier 7 fois. Go around Jericho 7 times. Il faut entrer Jericho 7 fois. Pray for the blind. Il faut prier pour les aveugles. When the disciples, were receiving the Holy Spirit, ils recevaient le Saint-Esprit. Jesus gave them the Holy Spirit 3 times. Jésus les a donné le Saint-Esprit 3 fois. 3 times. 3 fois. He breathed on them. Il a soufflé sur eux. And they received anointing. Ils ont reçu l'onction. But the law of repeating. Mais la loi de répéter. He said, go and wait. Il a dit, il faut aller attendre.
for the Holy Ghost. And in the upper room, even though he has breathed on them, the Holy Ghost came down for the second time. Yes. And in Acts chapter 4, when they were praying for the third time, the Bible says they were filled again with the Holy Spirit. Tonight is your third time of receiving the Holy Ghost anointing. Ce soir, c'est la troisième fois que tu vas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Yes. Oui. Now, law number 4. La loi numéro 4. And then we are finished. Et puis nous avons fini. The law, the fourth law of miracles. Et le quatrième loi de miracle. Is the law of spiritual timing. C'est le loi de timing spirituel. Oh yes. Spiritual timing. C'est la loi de timing. In Galatians chapter 4. En Galates chapitre 4. The Bible says. La Bible dit. When the fullness of time was come, dans la plénitude de temps, God sent forth his son, Dieu a envoyé son fils, made of a woman, né d'une femme, and made under the law. Et il était créé sous la loi. The law of timing. La loi de temps. There is a time, il y a un temps, when God has chosen, Dieu a choisi, to save you, de te sauver, to deliver you, de te délivrer, to end the curse of the enemy, de terminer la malédiction de l'ennemi. The Bible says, la Bible dit, when the fullness of time, dans la plénitude was come, est arrivé, God sent his son. Dieu a envoyé son fils. Why didn't God send his son earlier? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé son fils avant? All those years, toutes ces années-là, before, avant, why didn't God send Jesus earlier? Pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé Jésus tôt? Why didn't you meet Jesus earlier? Pourquoi est-ce que tu n'as pas rencontré Jésus trop tôt dans ta vie? Because when it comes to God's miracle power, parce que quand il s'agit de miracles de puissance de Dieu, there is a timing. Il y a un temps in the realm of the spirit. Dans le domaine spirituel. And today, et aujourd'hui, I came to announce to you, je suis venu annoncer, it is your time for salvation. C'est ton temps de salut. It's your time for salvation. C'est ton temps de salut. Yes. Oui. Now, tonight is a night of salvation. Ce soir, c'est une nuit de salut. This is the time. C'est le temps. This is your time. C'est ton temps. To be saved. D'être sauvé. You must come to God now. Tu dois venir à Dieu maintenant. Yes. Oui. You must turn away from your sins now. Tu dois faire un demi-tour et laisser tes péchés derrière et venir à Dieu. Yes. Oui. There are many people. Il y a beaucoup de personnes. They play religiosity. Ils jouent la religion. Yes. Oui. But there comes a time. Mais un temps vient. A time. Il y a un temps. When you must bow your knees, que tu dois fléchir tes genoux, to Jesus, à Jésus Christ, because the Bible says, parce que la Bible dit, every knee shall bow, tout genou fléchira. Whether you bow now or you bow later, you will bow. Soit tu te fléchis les genoux maintenant ou un jour tu vas fléchir les genoux. By all means, et coûte que coûte, you will bow. Tu vas fléchir les genoux. Oh yes. Ah oui. Oh yes. Ah oui. You may not be interested. Oh, peut-être tu n'es pas intéressé aujourd'hui. But the Bible says every knee shall bow. Mais la Bible dit tout genou fléchira. Yes. Oui. All the people, tous les gens, who make themselves very proud, qui se voient orgueilleux, qui pensent qu'ils sont quelque chose, all of them will bow. Et tous un jour ils vont fléchir les genoux. Every knee shall bow. La Bible dit tout genou fléchira. Every knee shall bow. Tout genou fléchira. And tonight, et ce soir, look at my hand. Regarde à ma main. God sent me. Dieu m'a envoyé. To tell you. De te dire. This is the time. C'est le temps. This is your time. C'est ton temps. For salvation. De salut. Salvation. Le salut. Jesus said to Zacchaeus. Jésus a dit à Zacchaeus. Today. Aujourd'hui. Salvation. Le salut. Has come to your house. Est arrivé chez toi. Today. Aujourd'hui. Is the day of salvation. C'est ton jour de salut. Yes. Oui.
You must give your life to God. Tu dois donner ta vie à Dieu. You must bow your knees. Tu dois fléchir les genoux. To Jesus Christ. À Jésus-Christ. God so loved the world. Dieu a tant aimé le monde. That when the time was right, et quand le temps est arrivé, he sent forth his son. Il a envoyé son fils. And his son's name is Jesus. Et le nom de son fils c'est Jésus. Jesus Christ. Jésus le Christ. The savior of the world. Le sauveur du monde. The savior of the world. Le sauveur du monde. He sent him. Il l'a envoyé. To you. À toi. To me. À moi. Yes. Oui. When I was just 16 years old, quand j'avais 16 ans, God sent his servant. Dieu a envoyé son serviteur. To me. À moi. Yes. Oui. That is when it was my time. C'était mon temps comme ça. Yes. Oui. It was my time. C'était mon heure, mon for salvation. Pour le recevoir this le salut. Was my opportunity. C'était mon opportunité for salvation. Pour recevoir le salut. Yes. Oui. Today. Aujourd'hui. It is your turn. C'est ton temps aussi. Yes. Oui. For salvation. Pour le salut. Not everybody. C'est pas tout le monde. Has a chance. A la chance. To have a last minute salvation. Pour avoir le salut de dernière minute. Yes. Oui. People make fun. Il y a certaines personnes qui jouent avec le salut. Of us. Ils se moquent de nous. When we are preaching. Quand nous sommes en train de prêcher. That man. Cet homme là. Whom I met. Que j'avais rencontré, and I told him, et je lui avais dit, you must give your life to God. Tu dois donner ta vie à Jésus. It was his time. C'était son temps. Yes. Oui. That day, ce jour-là, it was hot afternoon. Et il faisait chaud dans l'après-midi. And I told him, et je lui ai dit, you must give your life to tu God. Tu dois donner ta vie à Dieu. Ah, but he could not see that it was his mais time. Il ne pouvait pas voir que he was so angry with me. Il s'est fâché, il était énervé contre moi. Yes. Oui. But later when he was dying, mais après qu'il était en train de mourir, I could not even get to him. Je ne pouvais même pas aller vers lui. Before. Avant. And he died. Et il était mort. When he died, quand il est mort, some people were standing there. Il y avait des gens autour de son lit. He told them, et il les a dit, look, regarde, look, regarde, they are coming for me. Ils sont venus pour me. He saw evil spirits. Il a vu des démons. Surrounding his bed, qui avait entouré son lit à l'hôpital, as he was dying, alors qu'il était de mourir, he held the bed, il a tenu, he saw the spirits, il a tenu le lit, they are coming for me, les esprits viennent, they are coming for me, ils viennent me prendre. The Bible says, la Bible dit, in Isaiah, en Esaïe, hell from beneath is moved to meet thee at thy coming. L'enfer en bas, il se remue pour te rencontrer à ta venue. Yes. Oui. The Bible says, la Bible dit, let me die the death of a righteous man. Laisse-moi mourir la mort d'un homme juste. Don't let me die the death of a wicked man. Ne me laisse-moi mourir comme un méchant. There are people here. Il y a des gens ici. You've been fooling with God. Tu blagues et tu joues avec Dieu. Just religion. Tu joues la religion. Just play with church. Tu joues avec l'église. But today, mais aujourd'hui, this is the day. Today, aujourd'hui c'est ton jour. It's the day of salvation. Le jour de salut. You have to turn around. Tu dois faire un demi-tour. Turn around. Fais un demi-tour. And repent. Il faut te repentir. And come to the cross. Il faut venir à la croix. And your sins et tes péchés will be washed away. Seront nettoyés. Nobody, personne, can enter into heaven. Ne peut entrer au ciel. Without being washed. Sans être purifié. By the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. Right now, maintenant, right now, maintenant, I can see, je peux voir, the blood of Jesus, le sang de Jésus, is moving through this crowd, en déplacement dans cette foule. Yes, the blood of Jesus, le sang de Jésus, eternal power, c'est une puissance éternelle. Some people watching me, c'est des personnes qui me regardent. The blood of Jesus, le sang de Jésus, is moving, est en train de bouger. The blood of Jesus is a spiritual power. Le sang de Jésus, c'est une puissance spirituelle. And that blood, et ce sang là, is moving now, est en train de déplacer, to cleanse you, pour te nettoyer, and to wash away your sins. Pour te laver de toutes tes péchés. Jesus, Jésus, he said, il a dit, on the day before he died, le jour avant sa mort, he took the cup, il a pris la coupe, and he said, il a dit, this is my blood, ceci est mon sang, this is my blood, ceci est mon sang, my blood, mon sang,
which I have shed, j'ai versé for you, pour vous, for the remission of the sins of the whole world. La rémission des péchés du monde entier. Yes. Oui. That was the time. C'était le temps for salvation. Pour le salut. The day that Jesus lifted the cup. Le jour Jésus a soulevé la coupe. This is my blood. Ceci est mon sang. This is my blood. Ceci est mon sang. Which is being shed. Qui était répandu. For the sins of the whole world. Pour le péché du monde entier. And tonight. Et ce soir. This is a special night. C'est une nuit spéciale. Everybody. Tout le monde. Who opens your heart. Qui ouvre son cœur. Jesus. Jésus. Will wash away your sins. Il va laver tous tes péchés. Maybe. Peut-être. You will never hear this again. Tu ne vas plus entendre ces paroles. Maybe. Peut-être. Tonight is your last night. Ce soir, c'est ta première. Maybe. La dernière soirée. You will never have a chance again. Peut-être tu n'auras plus l'opportunité. But today. Mais aujourd'hui. God is giving you the opportunity. Dieu te donne l'opportunité. Yes. Because you see, vous voyez, parce que nobody knows the time. Personne ne sait le jour, le temps. And God has chosen the time. Mais Dieu a choisi le temps. Bible says if you hear his voice. La Bible dit quand tu entends ma voix. You should know that this is the time. Il faut savoir que c'est le temps. Don't harden in your heart. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Yes. Oui. I will tell you one of the my greatest surprises as a doctor. Je vais vous dire quelque chose qui me surprend tout le temps en tant que médecin. Yes. Oui. Do you want to know? Est-ce que vous voulez savoir? One of my greatest surprises. Une des choses qui me surprend tout le temps. In my whole life. Dans toute ma vie. That I had as a shock. J'ai eu un qui m'a choqué. When I was in medical school. Quand j'étais à l'école de médecine. Do you want to know this great shock? Est-ce que vous voulez savoir ce choc-là? The first day, le premier jour, I was taken to the mortuary. On m'a mené à la morgue. I had the shock of my life. J'étais choqué dans ma vie. I thought, je croyais, all the dead bodies, tous les cadavres, were bodies of old people. C'était les cadavres des gens qui sont vieux. No, no. There were young men. Il y avait des jeunes gens. Young ladies. Des jeunes filles. Children like this height. Il y avait des enfants comme les tailles comme ça. There were babies. Il y avait des bébés. There were old people. Il y avait des vieux. Every age. De chaque âge. And they are the, all of them were naked. Et eux tous étaient tous nus. Lying there. En train de rester là-bas. Everybody had a different time. Tout le monde avait son temps différent. Some died young. Certains sont morts jeunes. Some died as old. Certains sont morts à l'âge. When you stand under a mango tree, quand tu es sur un arbre, un manguier, you see not only brown old leaves, you see young green leaves on the floor. Ce ne sont pas les feuilles marron que tu vois. Il y a les feuilles vertes aussi qui tombent. Everybody has a different time. Tout le monde a son temps différent. And I don't know what time. Et je ne connais pas ton temps. But the Bible says. Mais la Bible dit. When the fullness of time. Quand la plénitude du temps. God sent his son. Dieu a envoyé son fils. God will send somebody. Dieu va envoyer quelqu'un. To talk to you. Pour te parler. To preach to you. Pour te prêcher. To speak to you. Pour te parler. To pray for you. Pour prier pour toi. Because it is your time. Parce que c'est ton temps. This is the law of God. C'est la loi de Dieu. It's your time. C'est ton temps. For salvation. Pour le salut. Tonight. Ce soir. The blood. Le sang. That Jesus said. Le sang que Jésus a répandu. It's flowing. Ce sang coule. This is a night of salvation. C'est une nuit de salut. This is the law of God. C'est la loi de Dieu. God has chosen you. Dieu t'a choisi. That is why you are here. C'est pourquoi tu es ici. That is why you are watching. C'est pourquoi tu me regardes. There is power here. Il y a la puissance de Dieu ici. God wants to save you. Dieu veut te sauver. God wants to change you. Dieu veut te changer. God wants to change your life. Dieu veut changer ta vie. Forever. Pour toujours. Every standing. Tout le monde debout maintenant. Every standing. Tout le monde reste debout. How many of you? Combien de personnes? How many of you? Combien de personnes? Want to receive? Qui veut recevoir? Tonight, you want it to happen now. Ce soir même, tu veux que ça se passe maintenant. Salvation. Tu veux recevoir le salut. How many want salvation now? Qui veut le salut maintenant?
How many want the blood of Jesus to wash away your sins? Ce sang de te laver tous tes péchés. The laws of miracles. Les lois de miracles. The laws of miracles. Les lois de miracles. The law of repeated ministration. La loi de l'administration répétée. The law of divine time. La loi de timing. Divine selection. La loi de sélection. God has selected you. Tu t'as sélectionné. There are many people in Libreville. Il y a beaucoup de personnes à Libreville. But you are here today. Tu es ici ce soir. The Bible says there were many widows. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de veuves. But God chose one. Mais Dieu a choisi une. Tonight God is looking at you. Ce soir Dieu te regarde. He's choosing you. Et Dieu te choisit ce soir. Choosing you. Il est en train de te choisir ce soir. To be saved. D'être sauvé. How many want to say yes, Jesus? Qui ici veut dire oui à Jésus? How many want to say yes, Jesus? Qui veut dire oui à Jésus? Choose me, Jesus. Oh, choisis-moi, Jésus. Wash me, Jesus. Il faut me laver, Jésus. Save me, Jesus. Sauve-moi, Jésus. Tonight, ce soir, I am receiving the blood of Jesus. Je reçois le sang de Jésus. If you want to receive the blood of Jesus, si tu veux recevoir le sang de Jésus, and you want to be saved, tu veux être sauvé, today, aujourd'hui, lift your two hands like this. Levez les deux mains comme ça. If you believe this is your time, si tu crois qu'aujourd'hui c'est ton temps, for salvation, pour le salut, for your miracle, pour ton miracle, matakata sato bakata balanda. Say this prayer right now. Il faut répéter cette prière après moi maintenant. This is the law. Ça c'est la loi. Right now. Maintenant. Kama shombe sindara mananda la bakabalanda raba. Say this prayer. Fais cette prière après moi. Say this prayer. Fais cette prière après moi. Oh yes. Oh oui. Yes. Oui. Say Jesus. Dis Jésus. I can't hear you. Je n'entends pas tout le monde. Dis Jésus. Thank you for tonight. Merci pour ce soir. I want everybody to say from your heart. Je veux que tout le monde répète cette prière et fais ça de ton cœur. Say Jesus, dis Jésus. Tonight is my night. Ce soir est ma nuit. Please forgive me for my sins. S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. I am a sinner. Je suis un pécheur. But tonight, mais ce soir, I humble myself. Je m'humilie devant toi. The law of humility. La loi d'humilité. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. For my wickedness. De toutes mes méchancetés. Forgive me. Pardonne-moi. For my sins. Pour tous mes péchés. I am a dirty sinner. Je suis un pécheur sale. Wash me. Lave-moi. Wash me with the blood of Jesus. Lave-moi avec le sang de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Cleanse me. Nettoie-moi. From all my sins. De tous mes péchés. Tonight. Ce soir. I open my heart. J'ouvre mon cœur. And I receive Jesus. Et je reçois Jésus. As my Savior. Comme mon sauveur. As my Master. Comme mon maître. My Lord. Tu es mon Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Make me a new person. Fais de moi une nouvelle personne. Everybody says from tonight. Tout le monde répète après moi, dit à partir de ce soir. I accept Jesus as my Savior. J'accepte Jésus comme mon sauveur. Now lift up your hands. Maintenant tout le monde lève les deux mains. Say Jesus. Dis Jésus. Please write my name in the book of life. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. My name is. Mon nom est. Mention your name. Il faut mentionner ton nom maintenant. Your full name and address. Ton nom complet et ton adresse. Say Jesus. Dis Jésus. Please write my name. S'il te plaît, écris mon nom. In the book of life.
Thank you, Jesus. Merci, Jésus. For writing my name. D'avoir écrit mon nom. In the book of life. Dans le livre de vie. Now lift up only your left finger like this. Maintenant, il faut élever le doigt à la main gauche. Comme ça. Satan, you are finished. Satan, tu es fini. Satan! Satan! Listen very carefully. Écoute-moi très bien. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I bind you. Je te lie. I cast you out. Je te fais sortir de ma vie. I reject you. Je te rejette. Satan, from tonight, me and you is finished. Satan, à partir de ce soir, entre toi et moi, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Lift your hand. Lève ta main. C'est witchcraft. Tu veux dire la sorcellerie. From tonight. À partir de cette nuit. Me and you is finished. Toi et moi, c'est fini. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Now lift your two hands. Maintenant, élevez les deux mains. And wave your hand like this. Tout le monde balancez les mains comme ça. Wave your hand like this. Tout le monde, il faut balancer les mains comme ça. Say Jesus. Dis Jésus. I love you, Jesus. Je t'aime, Jésus. I humble myself. Je m'humilie devant toi. Before you, Jesus. Devant toi, Jésus. I love you, Jesus. Je t'aime, Jésus. Beginning from tonight. À partir de ce soir. I am your follower. Je suis quelqu'un qui va te suivre. I am your follower. Je vais te suivre, Jésus. I am your servant. Je dis, je suis ton serviteur. I receive the power of God. Je reçois la puissance de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Shout your loudest amen. Il faut crier ton amen le plus fort. Falling from somebody's pocket. Qui est tombé de la poche de quelqu'un? Fell on the floor. Il est tombé par terre. Everybody, stamp your foot now. Il faut piétiner. Piétiner. Satan is finished. Satan est fini. Every serpent, tout serpent, is crushed. On s'est écrasé. Crushed. S'est écrasé. In your life. Dans ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shout your loudest hallelujah. Il faut crier hallelujah. Dans le matin, there are exams here. Il y a des examens ici. Yes. Oui. But how many of you do not speak in tongues? Qui ici ne parle pas en langue? Lève la main. You don't speak in tongues. Tu ne parles pas en langue. Hey. Hey. I need to pray for you. Je vais prier pour toi. To receive the Holy Spirit. Pour recevoir le Saint-Esprit. In the morning. Au matin. Because of exams. À cause de l'examen ici. I think there is a school here. Il y a une école à côté ici. We are going to start at 5:30 in the morning. Donc nous allons commencer 5:30 le matin. 7. 5:30 to 7. 5:30 le matin jusqu'à 7:00 le matin. To pray for the Holy Spirit. On va prier pour le Saint-Esprit. For everybody. Pour chacun. How many of you want to speak in tongues? Qui veut parler en langue? There's power here. Il y a la puissance de Dieu. In the morning, et le matin, we are praying for that. On va prier pour le Saint-Esprit. 5 in the morning. 5:30 le matin. Everybody who did not speak in tongues. Tout le monde qui ne prie pas en langue. Be here. Il faut
venir ici. And there will be miracles. Il y aura des miracles. Salvation. Il y aura le salut. Everything. Et tout va se passer ici. It's very important. C'est très important. Right now. Maintenant. There is power. Il y a la puissance de Dieu ici. And many people are already being delivered. Beaucoup de gens sont en train d'être délivrés maintenant. The power of God is here. La puissance de Dieu est ici. Right now. Maintenant. Put your hand. Mets ta main. I see another spirit is like a monkey. Je vois un autre esprit comme un singe. It's like a monkey. C'est comme un singe. Sitting on somebody's shoulder. Assis sur l'épaule de quelqu'un. Yeah, it is on somebody's shoulder. C'est sur l'épaule de quelqu'un. Yes. Oui. Right now. Maintenant. Whatever power. Toute puissance. Is sitting on your shoulder. Qui est assis sur ton épaule. And speaking to you. Et il te parle dans les oreilles. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Put your hand on your shoulder. Mets ta main sur ton épaule. Put your hand on your shoulder. Mets ta main sur ton épaule. Every power. Toute puissance. Every monkey. Toute singe. Every evil spirit. Tout esprit impur. That is on your shoulder. Qui est sur ton épaule. I command. J'ordonne. Come off right now. Il faut descendre maintenant. Come off right now. Il faut descendre maintenant. Everybody start praying. Tout le monde commence à prier. Otherwise, some of this monkey will come to you. Sinon, l'esprit singe de quelqu'un va sauter sur toi. Tout le monde va prier. I see somebody je vois quelqu'un cannot stop committing fornication. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de forniquer. Lift your hand. Lève ta main. Every spirit of whoredom. Tout esprit de la prostitution. That is in your life. Qui est dans ta vie? Now, maintenant, in the name of Jesus, au nom de Jésus Christ, I cast it out right now. Chasse cet esprit là. Come on. Everybody pray. Otherwise, somebody's evil spirit will come to force you. I see a spirit in somebody's stomach. Je vois un esprit dans le ventre de quelqu'un. Put your hand on your belly. Mets ta main sur ton ventre. Maintenant. The Bible says, out of your belly shall flow rivers of living water. La Bible dit que ton ventre la coulera l'esprit des eaux vivantes. That is why the devil wants to go inside your belly. C'est pourquoi le démon peut entrer dans ton ventre. To prevent the waters from flowing. Pour empêcher ces eaux vivantes de couler. Put your hand on your belly. Mets ta main sur ton ventre. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Every power, et toute puissance, every work of darkness, œuvre de ténèbres, every evil spirit, et tout esprit impur, that is inside you, qui est en toi, inside you, en toi, spirit of sickness, l'esprit de maladie, spirit of disease, l'esprit d'infirmité, spirit of the curse, l'esprit de malédiction, I command you, j'ordonne maintenant, come on.
of Jesus. Au nom de Jésus. It's happening. Ça se passe. Anybody who is falling down, quiconque tombe par terre, or screaming, quiconque crie, or rolling, quiconque roule par terre, bring them to me. Amène-les devant ici, s'il vous plaît. Go back. Jesus. La chorale, reculez. Go back. Go back. Reculez. Go back a little, please. Reculez un peu. There's power here tonight. Il y a la puissance de Dieu ici ce soir. Whatever sickness you have, et toute maladie qui te trouble, put your hand there. Mette la main où tu as la maladie. Power belongs to God. La puissance appartient à Dieu. Something is happening. Quelque chose se passe tonight. Ce soir, something is coming out of somebody's belly. Quelque chose sort du ventre de quelqu'un. It's coming out. Ça sort. This is the law of repeated ministration. La loi d'administration répétée. The law of repeated ministration. La loi d'administration répétée. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I command, j'ordonne, anything, toute chose, resident in your belly, qui est résident dans ton ventre, come on, in the name of Jesus, au nom de Jésus Christ. Sickness, toute maladie, you have tonight. Que tu as ce soir, put your hand there. Mets ta main là où tu reçois. If it is your eye, si c'est l'œil. If it is your ear, si c'est l'oreille. If it is your heart, si c'est ton cœur. If it is your knee, si c'est le genou. If it is your back, si c'est le derrière. If it is your stomach, si c'est ton ventre. Put your hand there. Mets ta main là-bas. In the name of Jesus, oh, no. Jesus, receive your healing. Reçois ta guérison. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Power. La puissance de Dieu belongs to God. Appartient à Dieu. Power. La puissance belongs to God. Appartient à Dieu. Kalababa. Everybody pray. Tout le monde va prier maintenant. I see. Je vois. A mental spirit. Un esprit mental. Mental illness. Une maladie mentale. Every power. Et toute puissance. That affects your mind. Qui affecte ton cerveau. Put your hand on your head. Mette la main sur ta tête. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Power. La power. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Be free. Sois libre. Anyone falling down. Quiconque tombe par terre. Rolling. Qui roule par terre. Screaming. Qui crie. Even at the back. Même si c'est derrière. Or upstairs. Ou bien en haut là-bas. Bring them to me. Amène la personne devant. Something is happening. Quelque chose se passe. Power belongs to God. La puissance appartient à Dieu. Power belongs to God. La puissance appartient à Dieu. And where there is power. Et là où il y a puissance. God is there. Dieu est là. God is there. Dieu est là. Receive power. Reçois la puissance. Receive healing. Reçois la guérison. Receive miracle. Reçois ton miracle. Miracle. Le miracle. Now, maintenant, check yourself. Il faut te vérifier. And see. Et voir. Maybe you came with a pain. Peut-être que tu es venu avec une douleur. Or a problem. Ou bien un problème. You couldn't walk. Tu ne pouvais pas marcher. Rise up and walk. Mais lève-toi et commence à marcher. Rise up and walk. Lève-toi et commence à marcher. You couldn't see. Tu ne pouvais pas voir. Open your eyes. Ouvre les yeux maintenant. You couldn't hear. Tu ne pouvais pas entendre. Check your ears. Il faut vérifier. You had a lung cancer. Il y avait le cancer. Your breast. Dans le sein. Check your breast. Il faut vérifier maintenant. Power belongs to God. Puissance appartient à Dieu. Power belongs to God. La puissance appartient à Dieu. Look at what is happening in the world. Regarde ce qui se passe devant ici. Many people. Beaucoup de personnes. Are being set free. Sont en train d'être libérées. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Right now, maintenant, I want to pray for people je vais prier pour les gens that are into witchcraft, qui sont dans la sorcellerie.
Everybody lift your hand. Tout le monde la main comme ça. Anyone quiconque practicing qui pratique witchcraft, la sorcellerie, tonight, ce soir, God is giving you, je te donne, an opportunity, une opportunité, to be free, d'être libre, from enchantment, de tout enchantement, spell, de toute sorcellerie, witchcraft, et toute sorcellerie. In the name of Jesus, au nom de Jésus, receive, reçois, receive, reçois, deliverance, la délivrance, in Jesus' name, au nom de Jésus. Everyone, toute personne, practicing witchcraft, qui pratique la sorcellerie, and you are being set free, tu es libéré. Come to the front. Viens devant ici. Come to the front. Viens devant ici. There's power here. Il y a la puissance. There's power here. Il y a la puissance ici. There's power here. Il y a la puissance ici. There's power. Il y a la puissance. Bring them to me. Amène-les devant. Bring them to me. Amène-les devant. Something is happening. Quelque chose se passe. Many people have been set free. Beaucoup de personnes. If God has healed you. Si Dieu t'a guéri. If God has healed si you. Si Dieu t'a guéri. Come to the front. Viens devant ici. Today is the third day. Aujourd'hui c'est le troisième jour. Tomorrow is the fourth day. Demain c'est le quatrième jour. I don't even know what will happen tomorrow. Right now, wherever you are, if God has healed you, come here, come. Come to the side. I'm going to pray for everybody. God sent me. Dieu m'a envoyé to pray for you. Pour prier pour toi. I want to lay hands on you. Je vais imposer ma main sur toi. Pray for you. Et prier pour toi. For healing. Pour la guérison. For repeated ministration. Pour une administration répétée. For repeated prayers. Pour les prières répétées. For your life. Pour ta vie. There's power here. Il y a la puissance ici. Today is the third day. Aujourd'hui c'est le troisième. Tomorrow, demain, is the fourth night. C'est le quatrième nuit. Wherever you are. Et tu es ici ce soir. God has touched you. Dieu t'a soigné. I need you in the front. Il faut venir devant. Walk to the front. Il faut marcher. Walk. Il faut marcher. Somebody in the over there. Il y a quelqu'un là-bas. The upstairs. Quelqu'un en haut là-bas. Somebody has been healed there. Quelqu'un a été guéri là-bas. Come. Il faut venir devant. All the way here. Il faut venir. There's power here. Venir de loin. There's power here. Il faut venir. There's power here. Il y a la puissance ici. Nous te bénissons. Qui est semblable à toi?
this man could not lift his legs, and therefore he needed this to be able to stand or move. Evangelist after prayer, he is moving his leg. There he goes. 1 year, 7 months. And not seven months. Has God done something wonderful for you? Stand here and talk to them like I'm also doing, right? Ce soir et depuis ce matin. Oui. Parce que je suis venu de la maison avec ma béquille et je suis reparti en tenant la béquille sur ma main. Sur ma main droite, je ne m'appuie plus de nuit. Parce que je m'appuyais sur ma béquille, la main, sur ma gauche. With the help of this stick, every time. But tonight, I am free. Wow. Loué, 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 loué. This woman was about to go to Morocco for an operation. 2 years ago, something happened to her knee. The doctor said ligaments were torn and she needed an operation. She could not bend her knee. Tonight, ce soir, Evangelist, after the prayer, après la prière, her knee is healed. Elle est guérie. The pain is gone. Wow. She can bend her knee. Elle pouvait plier les genoux maintenant, n'est-ce pas? Wow. I'm supposed to be going tomorrow. Je suis arrivé ce soir, j'avais encore cette douleur. En fait, j'ai un problème de ligament. When I came discipline, I was still feeling the pain because the ligament problem. Mon pasteur est même sorti hier matin. Yeah, and I took my passport yesterday from here. Je suis en attente. So I'm waiting. J'attends l'appel de la CNAMGES. So parce que la CNAMGES est en charge. Wow. Jesus has healed me. La douleur, mais je ne ressens plus rien. I don't feel anything again in my wow. Legs. Wow. Use your Morocco money for shopping. Il faut utiliser l'argent pour Morocco. Allez acheter des choses pour toi-même. Jéhovah a changé ma vie. Evangeliste. This lady had an accident 2 years ago. Since then, I've had an accident. You have done something. She couldn't walk without this. Elle ne pouvait pas marcher sans ce béquille. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Je marche. I am walking now. Walk, let's see, walk. May the Lord give you victory to victory. Olivia,
surgery on both eyes. Il avait des chirurgies sur les deux yeux. He could not see at all. Il ne pouvait pas voir du tout. After the prayer, après la prière, he can see everything. Il peut voir maintenant clairement. He can count fingers. Est-ce que c'est vrai? On m'avait opéré un seul œil. Je ne voyais pas, je voyais seulement flou. Depuis avant-hier, depuis hier que je suis venu à la prière, maintenant je vois clair. Wow! You can see! Tu peux voir clairement maintenant! Wow! Jésus-Christ, donc nous tous, nous devons suivre Jésus. Everybody must believe in Jesus. And he says everybody should believe in Jesus. Oui, j'avais mal à l'œil droit, j'avais l'impossibilité de bien voir. Alors, le 20 mai 2022, j'ai été opéré, mais cet œil-là, je voyais flou, vraiment flou. Et ce soir, il était impossible de distinguer parfois les couleurs. Et ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir, après la prière, j'ai constaté que l'œil est devenu clair. Et la brume n'est plus celle que j'avais avant. 2020, my eyes was operated upon. I couldn't see so well. I can't even distinguish between colors. But this evening, after the prayers, I just realized that I could see very well and clearly. Can you see me clearly? Est-ce que tu peux voir l'évangéliste clairement? Oui, je le vois. I see you very well. Il est brun. You are a white man. Il est marié. And you are married. Il a un micro noir. So you are married. He said what? You are married. I am married. Yes. Wow. Couldn't see in the right eye. Exactly what you said. And you can see my ring. You can see that you are married. You can see that I'm married. You are married. Fantastic. It's fantastic. Tomorrow is day number 4. Demain c'est le jour, quatrième jour. That is the laws of miracles. La loi des miracles. The law of repeated ministration. La loi de l'administration répétée. Yes. Oui. Bidia. Evangelist, another amazing eye healing. 16 years, he couldn't read without these glasses. Il ne peut pas lire sans les lunettes. Tonight, the power of God fell upon him. Ce soir, la puissance de Dieu est tombée sur lui. He can see clearly, he has been reading this time. Il voit clairement. He can read. Read it. Est-ce que tu peux lire? Oui, je peux lire. I can read. J'ai eu deux séances pour l'opération.
La première séance, pas d'arrêt. Two operations in my eye. Le médecin renvoie la séance pour qu'on puisse m'opérer. Et la seconde séance, quand je m'en vais, on ne fait que me renvoyer. Bon, quand je viens à la campagne, ce matin, Dieu m'a fait grâce. Je prends ma Bible pour faire ma lecture. J'ai lu son vers. Il faut lire maintenant, on va voir. Je lis la parole de Dieu. I'm reading the word of God. La création du monde. The creation of the world. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. In the beginning, God created the heavens and the earth. Il est le roi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Many miracles tonight. Beaucoup de miracles. This is his and hers miracle. He could not walk. His wife was totally blind. Lui, il ne pouvait pas marcher. Son épouse aussi était totalement aveugle. She had surgery in South Africa. Et elle a eu une opération chirurgicale en Afrique du Sud. But after that, she couldn't see again. Après, elle ne pouvait pas voir. He could not even walk to this place on Monday. Lui ne pouvait même pas marcher venir ici le lundi. Evangelist, both of them. Les deux ensemble. He is now walking. Maintenant il marche. What do they say? There he goes. Voici. Wow. This and man is going to Olympic Games for Gabon. Hey. Ce monsieur va jouer les Jeux Olympiques pour Gabon. What about this lady? Evangelist for the first time. Pour la première fois, she's seeing hands. Elle peut voir mes mains. Elle peut voir mes mains. Tu peux voir mes mains? Tu peux voir mes mains? Mama. Tu peux voir les mains de l'évangéliste? C'est moi. Tu vois? Is that ici? C'est vous? I see you also. Oui. Yes. Can you see me? Can you see me? Est-ce que tu peux me voir maintenant? Oui. La voilà. He says you are waving your hand. They can see me totally blind. He said to me, je reviens de l'Afrique du Sud. J'ai été à Bongolo. Et pour soigner mes yeux, je suis allé en Afrique du Sud. I went to South Africa to get my eyes fixed. And tonight, ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Donc, quand je suis revenu, faut que je vous le dise un peu, quand je suis revenu, je voyais bien, quand je suis revenu à la Côte d'Ivoire, et j'ai eu un coup dans la nuit, quand je me mets debout, et mes yeux, bam, ça fait 7 mois, je ne voyais même plus. I came back from South Africa. I was seeing a little, and then one day, all of a sudden, my eyes went off. For 7 months, I can't see at all. Même mon propre corps. Even my own body, I couldn't see. Mais là, my own body. But matin, this morning, when I was praying, I saw clearly. Et depuis le bas, et so, from the down there, up there, I see everything clearly. And wife. C'est un mari et son épouse. Wow. Wow. It looks like you are going on another honeymoon. Il semble que vous allez encore aller à la lune de miel. Tout le monde dit hey. Thank you.
this is a church member who knows him. 4 years ago, he had a stroke. Il y a 4 ans, il a eu l'AVC. He could not walk at all il without it. Il ne pouvait pas marcher du tout sans ça. Tonight, mais ce soir, his friend testifies. Son ami témoin. That he has been healed after the prayer. Il a été guéri après la prière. He is walking again. Il marche maintenant lui-même sans le béquille. What blessing! Il faut marcher en bas droit. Wow! Wow! Look at him smiling. Regardez, il a fait le sourire. Merci Seigneur. Strength. La force. In Jesus name. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Wow. Si abonga Jesu. Si abonga Jesu. Si abonga Jesu. This woman fell 4 years ago. Elle est tombée il y a 4 ans. She has not been able to move. Et après, without the step. Il n'arrive pas à bouger sans ce step. Let's see. Just walk in my way. Faut marcher en bas droit maintenant. Wow. Wow. Si abonde she could not walk without a stick. Elle ne pouvait pas marcher sans le béquille. Wow. Blessing. Evangelist. This woman had to surgery on the hip. Elle a eu une opération à la suite. Après cela, one leg became shorter than the other. Il y a un pied qui était devenu plus court que l'autre. She had to walk. Donc elle marche like that. Comme ça. Evangelist, ce soir, when you were praying, quand tu priais, the leg grew back. La jambe, the leg has grown la back. La jambe a grandi et est devenue correctement comme l'autre. The leg has grown back. Is it true? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je souffrais la crosse pendant 4 ans. Pour 4 ans? Hein? Ok. Par après, on m'a opéré, m'a mis la prothèse, mais je marchais, mais je voyais qu'il y a un pied qui ne descendait pas bien. Ok. Donc, je poitinais un peu. Ok. Maintenant, et ce soir? Et ce matin? Oui. J'ai senti quelque chose qui quittait autour de mon rein et se descendait sur les pieds. C'est descendu? Oui, c'est descendu jusqu'au pied. Et puis maintenant, tu marches correctement? Oui, je marche maintenant. Maintenant, là, je ne rassemblais même pas les pieds comme ça. I don't feel any pain. I used to walk, one leg was longer than the other. Wow. And then I felt something coming down from my waist. Wow. And I can now walk correctly. Wow. Walk and let's see what happens. You know, I'm sure I'm going to say. Cette dame avait une jambe qui était plus courte que l'autre. In the morning, et le matin, the leg grew out. Et la jambe a croît comme ça. Wow! To the body, wow! There is power here! Il y a la puissance ici. Power belongs to God. La puissance appartient à Dieu. Power belongs to God. La puissance appartient à Dieu. Amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Merci, Seigneur. Evangelist, 15 years. Ça fait 15 ans. Now, there is somebody who was healed yesterday. Il y a quelqu'un qui était guéri hier. Yes. And you are supposed to give a testimony today. Tu dois témoigner aujourd'hui. Lydia, what is happening? Qu'est-ce qui s'est passé? 15 years. Pour 15 ans.
She has suffered from pain all over her body. Elle souffrait des douleurs partout. Even then, if you said that you talk about the law of repeated ministration. Et tu as parlé de la loi de la She came on Monday. Elle est venue le lundi. Nothing happened. Rien ne s'est passé. She came again yesterday. Elle est venue hier encore. Nothing happened. Rien ne s'est passé. But tonight. Mais ce soir. Tonight. Ce soir. She's been healed. Elle a été guérie. Swollen testicle. Pendant 8 mois, ce jeune homme avait des testicules gonflés. It's been big for 8 months. Ça a été gonflé pour 8 ans. 8 mois. Big, large. C'était large, grand comme ça. What's gonflé? Gonflé. Swollen. 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 Okay. Pour 8 mois. Tonight, when you pray, pendant 8 mois, evangelist, the scrotum is now normal. Après la prière, it's shrunk. Après la prière, c'est devenu petit normalement. The swelling is gone. Et maintenant, le gonflement aussi. Eight months swelling is gone. Ce n'est plus là. It's gone. Ce n'est plus là. Yes. Pendant not being able to walk and dependent on two cultures. Elle n'arrive pas à marcher. Two si ce n'est pas à cause de ces deux béquilles. Walk and let's see. Maintenant, il faut marcher. More than 10 years, I've been suffering from arthritis. Ça plus de 10 ans, je souffre de l'arthrite. Yes. Even when I come this afternoon, my back, I had a great pain, very great pain. Which couldn't allow me even standing like Même cet après-midi, il y avait des douleurs, je ne pouvais pas me tenir debout comme ça. Après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? The great pain that was in my back has released me, has disappeared, so that I can stand. Maintenant, je peux me tenir. I can stand. Yes. Je peux me tenir. I can stand. Je peux me tenir debout. I can stand. Les douleurs sont parties. Jesus is a healing Jesus. En couchant, il ne pouvait pas se tenir debout. He could not walk well. Et il ne pouvait pas marcher because of a spinal deformity. À cause d'une déformité dans le spinal vertebra. Oh wow. Yes. Evangelist tonight, ce soir, this boy is standing. Il est debout ce soir. He's walking. Il est en train de marcher. He could not stand. As a mother, yes. Il ne pouvait pas se tenir debout. Il n'arrivait pas à mettre vraiment debout. He could not stand at all. Même pour marcher beaucoup. Even to walk, he cannot. Wow. Même pour s'asseoir. He could not even sit. He has to eat lying down. Wow. Maintenant, c'est ce matin là que je vois maintenant. And from this morning, he started. Je vais voir le derrière, l'évangéliste de voir. Is that the mother? Vous êtes la maman? Yes, it's a grandmother. I am the grandmother. This is the grandmother. Grandmother. Doctor, is this kyphosis? Yes, kyphosis scoliosis. Bring this to me. Amen, monsieur garçon à moi.
Jesus is a healing Jesus. Jésus est un Jésus qui guérit. You are healed in Jesus. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Meet Olivia. Evangelist for 10 months. This shoulder was frozen. She could not move it. Pendant 10 mois, she's now moving. C'était gelé, elle ne pouvait pas même bouger. Mais maintenant, elle peut bouger. Elle peut bouger. L'épaule. Wow. She couldn't do that. Wow. And also the eyes. Wow. Et aussi les yeux, elle peut voir. Jesus. Jésus. Thanks a million. Merci million fois. 20 years of suffering in the leg. Pendant 20 ans, elle souffrait dans les jambes. Wow. Evangelist, it has vanished. Ce soir, ces douleurs ont disparu. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Strength in the name of the Lord Jesus. La force. I want to lay hands on many people. J'aimerais poser la main sur beaucoup de personnes ce soir. Everybody lift your hands. Tout le monde lève les mains. Everybody lift your hands. Tout le monde lève les mains. And say a prayer. Il faut faire une prière for you, pour toi-même, and for your house. Et pour ta maison. I'm going to pray for everyone. Je vais prier pour tout le monde. My God, Jesus. Seigneur, Jesus, my God, mon Dieu. Thank you, Jesus. Lift your hands, everyone. Tout le monde, levez les mains. Thank you, Jesus. Father, Père, for every hand that is lifted, pour chaque main qui est levée, let there be a miracle. Qu'il y ait des miracles. Lord, I'm praying many times. Père, je prie beaucoup de fois pour les tout le monde. Because of the law of repeated ministry. À cause de la loi de l'administration répétée. Let there be deliverance. Qu'il y ait des délivrances. Let there be healing. Qu'il y ait des guérisons. Let there be victory. Qu'il y ait de la victoire. Over the works of darkness. Sur les œuvres de ténèbres. For every family. Pour chaque famille. I pray. Je prie. When we go to the house, quand nous allons rentrer à la maison, whatever wickedness, toute méchanceté, is in the house, qui est à la maison, it shall bow in the name of, ça va fléchir au nom de Jésus. It shall bow in the name of Jesus. Ça va fléchir les genoux au nom de Jésus. Bah. I speak a blessing over your room. Je proclame la bénédiction de Dieu dans ta maison. I speak a blessing over your house. Je proclame la bénédiction de Dieu dans ta maison. I command angels to ascend and descend. J'ordonne à ce que les anges montent et descendent chez toi. Tonight, ce soir, there will be many angels. Il y aura beaucoup d'anges moving around Libreville. Ils vont se déplacer à Libreville. May you never miss your miracle. Tu ne vas pas rater ton miracle. And your blessing. Tu ne vas pas rater ta bénédiction. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And everybody shout at your loudest, amen. Tout le monde dit amen. Yes. Yes. Breast healing. Breast. Yes. Breast healing. She had a lump in the right breast. It filled her whole breast. Wow. Yesterday she was healed, but she didn't have the time to come forward. Yeah, there is nothing in the breath now. Maintenant, il n'y a rien, il n'y a aucune masse dans le sang. Did you examine her? I examined her. This lady is a doctor. Elle est médecin. Elle from Memphis. Depuis Memphis aux États-Unis. Did you check her breast? I checked her breast, Evangelist. Elle a vérifié le sang et il n'y a rien dans son sang. And how big was the lump? She said it was as big as her breast. Et dit la masse était aussi grande que son sang. There are some breast lumps that are very big. Il y a des lumps, il y a des masses qui sont très grandes. Is it gone? Est-ce que la masse est partie? Il reste la masse à la taille d'une bille. It's like a ballpoint. Wow. It's small now. But it used to. How big was it before? Alors c'était comment? C'était comment? Elle avait la taille de mon sein. It was the size of my breast. Wow. 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 Yeah. Oh, 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 oh.
Jesus. Les gens disaient les souffrances sont pas guéries, mais beaucoup étaient guéris. Oh, in the name of Jesus. Under the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, I see your healing in the name of Jesus. Oh,
know I will be whole. Jesus. Crash to the crowd from behind. She touches the flow of love began to dry. Yes. The new spirit seen, the miracle she did at that day. The centurion with a servant who was healed. Had that Jesus had the power to heal. And he said, Lord, if you just speak the word, I know my servant to be here. Jesus said, go your way as you believe. Receive your healing in the name of Jesus. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Receive your healing. Receive your healing. Oh yes. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. By the blood, 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 by the blood. Jesus. Jesus. By the blood, in the name of Jesus. Receive healing. Receive healing. Healed in the name of Jesus. In the name